Jeudi 29 mars 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carte pour nous capoter pour 4e sortie téléjournal pour semaine si là. Mes principaux points qui pour faire essentiel le journal pour maintenir pour une fois qu'on a un président de la République là, Jovenel Moïse installé mercredi 28 mars là, comité de pilotage avec le secrétariat technique pour organiser l'état général sectoriel nation. Comité ça a gagné 6 mois pour remettre travail. 54 arrestations, 8 machines avec 3 motos confisquées, 10 armes saisies avec 20 kg marijuana. C'est bilan opération la police réalisée ce 15 février pour arriver jeudi, selon porte-parole en après PNH, inspecteur Gary Desrosiers. Journalistes ont marché en silence dans la report au prince jeudi mercredi 28 mars pour demander lumière sur la disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Ils ont marché qui était commencé sous place Constitution pour aller bout devant paquet Port-au-Prince. Première dame République la Martine Moïse en tête collée à la Fondation Clairé Haïti lancé mercredi 28 mars un concours pour artistes différentes catégories dans le pays. Ensemble pour ça on remplit l'autre appareil pour faire essentiel la 4e sortie journal là n'a pas vite été branché n'a pas tourné dans quelques secondes tant pis pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas démarré avec information urgente qui nous a annoncé les différents titres pour une fois qu'on est où état-major force l'armée d'Haïti a installé mardi 27 mars là dans le palais national. C'était occasion tout je viens d'annoncer les différents titres puisque le président de la République lui-même a installé la date mercredi 28 mars la comité pilotage avec le secrétariat technique pour organiser l'état général sectoriel la nation. Le comité s'il a gagné 6 mois pour capable de remettre travail. Compte rendu Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Comité pilotage ça a gagné la dans une vingtaine de membres qui sortent dans différents secteurs dans la société. Le secrétariat technique là beaucoup de parle gagne une dizaine de membres qui pral renforcer travail comité pilotage là. C'est un groupe personnalité connu dans domaine yo. Comité ça pral assurer bon déroulement état général sectoriel nation, planifier une série dates important et puis valider une série choix stratégiques à travers différentes propositions qu'a fait yo. C'est un travail difficile mais qui pas impossible. C'est le respect. C'est de la mesure où la personne se sent respectée qu'elle peut donner sa confiance. Donc nous avons un immense travail à réaliser. Remettre la confiance au cœur de ce pays. Que nous puissions nous regarder, nous, Haïtiens, Haïtiennes, avec un regard de tendresse et d'amour. Nous sommes tous de la même famille, qui que nous soyons. Mais nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, cette unité fondamentale pour pouvoir construire et faire sortir ce pays dans ce trou où il se trouve, parce que nous tous, nous sommes coupables. Dans l'occasion de célébration première année dans notre pays, à 7 février, qui s'est passé là, président Jovenel Moïse a déclaré année 2018 là, année pour commencer à exécuter tout projet clé administration l'a initié, et spécialement projet Chita Palé à la Ronde Badessa dans la nation. Pour pays à remembrer à tout niveau. Pour chef l'État, c'est une grosse action qu'a posé dans le pays pendant le mandat là. Une action d'après lui qui concerne tout le monde. Mesdames et messieurs, la finalité du nouveau pacte est de créer les conditions pour rendre possible des changements majeurs dans divers domaines couvrant les 4 grands secteurs d'activité politique, économique, sociale et culturelle. Les principaux domaines identifiés et qui feront chacun l'objet d'un atelier sont les suivants. La gouvernance politique, la gouvernance locale, la gouvernance économique, la gouvernance environnementale et aménagement du territoire, la gouvernance de l'espace public et médiatique, la gouvernance du système éducatif, la gouvernance du système de santé, l'identité culturelle et l'intégration sociale, l'ordre et la sécurité publique, la place d'Haïti sur la scène internationale. Nous en face a une grosse responsabilité. Nation a gardé nous. Je dis à nous pour une grosse décision. Une décision côté pays a c'est en cours. Je dis, mercredi ça, tout le monde fait.
pour nous garder le problème ensemble. Ça ne veut pas dire le pays n'a pas gagné l'élection pour le faire là-bas. Oui, il faut gagner l'élection. Renouveler le monde qui est sous pouvoir dans le pays d'une manière démocratique. Oui, il faut que la justice travaille. Mais je dis à mon gros problème. Vivre ensemble. Mon gros problème pour nous dire qui ça nous d'accord sur lui ensemble, qui ça nous pas d'accord ensemble. Cloche la sonne pour que la voix de cette minorité bruyante cesse de s'imposer sur la majorité silencieuse. Un état généraux sectoriel national, c'est une étape importante dans l'établissement d'un pays démocratique. C'est ça qui permet tout le monde, toute classe sociale et politique, chita réfléchir sur la situation socio-économique, politique et environnementale pays pour aboutir à une seule solution, côté tout le monde d'accord. Résultat chita palais général Saad doit gagner retombé positif sur pays pour plusieurs générations qui viennent. Merci à la collaboratrice Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Séance plénière bureau Sénat a organisé mardi 19 mars passé à côté sénateur Naoum Marcellus est malade. Ça a quitté la cause bureau, mais il en continuation organisé mardi 27 mars passé à côté sénateur de débattre sous séance 1er février. Côté assemblée a été transféré dossier enquête sous dépense l'agent Petro-Caribéa dans la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. 14 sénateurs votés pour dire d'accord pour finir avec la séance 1er février. 5 sénateurs pas d'accord avec une qui fait abstention. Kounia, Sénat capable de commencer le travail d'après le président Sénat, sénateur Joseph Lambert, qui est un micro Fedner confident avec Moïse Ulbrich. Après un pile de tergiversation, après un pile de temps mort, qui était même dit qu'il créait un certain handicap en termes de fonctionnement pour l'Assemblée des sénateurs. Nous avons choisi pour nous organiser une retraite. Et dans la retraite, ça, eh bien, entre nous-mêmes, sénateurs, nous avons débattu de tout ça qui a à voir avec bon fonctionnement du Sénat, respect qui doit gagner tout à bureau que les sénateurs eux-mêmes ont voté, et bien au mandat, et faire en sorte que nous veillions le plus que possible à ce que pas n'y ait aucun acte que nous posions qui est contraire à la Constitution, aux lois de la République et plus particulièrement au règlement intérieur du Sénat. Et voilà, après retraite là, nous fixons l'autre rencontre et nous fixons toutes les périodes côté nous pour nous faire des séances statutaires. Fort malheureusement, nous connaissons la dernière fois dans le table de débat sur lui, un incident malheureux produit. Et nous te reprendre c'est ça hier. Hier, eh bien, assemblée et sénateur, tout tendance confondue, eh bien, ils débattent. Et après débat, eh bien, assemblée a accusé, on vote. Et vote, ça dit que ils sont d'accord avec le rapport succinct là, qui était consacré vote sous résolution Petro-Caribéa par 14 votes pour. 50 et une abstention. Il y avait 21 sénateurs présents dans la salle. Eh bien, question ça pour moi-même, les consommer. Étant comme tu dis, et pendant que je dis, moi, tenu compte de ça qui doit régir le fonctionnement ou l'assemblée. Parce que, à partir du moment qu'une majorité sénateur t'a adopté un acte, et puis pour que AXA, Assemblée sénateur, de façon souveraine, on doit décider où retourner sous lui. Mais personne, sénateur, pas capable de faire un bureau retourner sous une décision qui est acceptée par la majorité des sénateurs. La logique de la majorité qui peut décider sur à quelconque cap posé au niveau législatif, eh bien, l'étape nulle, et à n'importe quel moment, nous avons décidé pour nous dire, eh bien, loi qui était votée en 2007, loi qui était votée en 2012, eh bien, loi ça n'est pas en vigueur encore parce que purement et simplement, il y a un groupe de sénateurs qui choisit, ils ont même délibérément pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec. Je crois que c'est ça qui, je veux dire, est plus important pour nous. Et nous arrivons en phase où le Sénat a commencé, recommencé,
à rejoindre fonctionnement d'Antony. Et lundi, on aura une conférence des présidents et conférence des présidents pour le mois d'avril. Et au cours de cette conférence des présidents, on a pris l'opportunité pour nous non seulement arrêter l'agenda législatif pour moi, mais en même temps tout, prendre toutes mesures que nous estimons que nous sommes capables de prendre et que la conférence des présidents a avalisé moi-même en tant que président du Sénat et bureau pour faciliter et permettre un fonctionnement régulier et efficace du Sénat. Dossier sécurité, la police a arrêté 54 personnes, confisqué 8 machines, saisi 3 motos, 10 armes à 20 kg de marijuana. C'est bilan opération police nationale d'Haïti a réalisé sorti 15 février pour arriver journée jeudi. Porte-parole en après PNH là, a présenté bilan si là, hier mercredi 28 mars là. Inspecteur Gary Desrosiers fait connaître un vide de recherche qui mettait derrière une série bandit qui est spécialisé dans kidnapper monde cap sorti dans pays l'étranger avec moun kap soti la banque. Gary Desrosiers annonce arrestation France Montbrun qui c'est un dealer drogue qui était basé dans département sud pays a. Yon extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Gagnent 54 moun qui arrêté parmi yo 3 femmes, 8 véhicules confisqués, gagnent 3 motos qui confisqués, 10 armes à feu saisies, 20 kg marijuana saisie. N'a noté que une grosse opération que DCPJ te menait via BLTS dans le sud, il a arrêté France Montbrun, qui continue que les boss Franqui. Monsieur, c'est un gros narcotrafiquant qui gagne dans la zone sud là, que DCPJ a recherché depuis 2005 lors de l'opération BLTS possédée à arrestation. Le 15 mars 2018, DCPJ a interpellé Batraville car n'arrêt pour l'enquête justement qu'il ouvrit sur l'assassinat qui était fait sur l'inspecteur de police Gilbert Paul. Nous songeons à l'assassinat ça qui était fait à Delma 19 le 16 février 2018. Le 23 mars 2018, DCPJ arrêté Ricardo Prophète Junior Octina, qui continue à créer les Toutou ou Caro. N'a pas noté que Junior Octina été arrêté déjà par la DCPJ pour, en 2017 pour vol à main armée. Deux messieurs, ils ont spécialisé dans vol à main armée, dans l'attaque justement qui était faite sur plusieurs mouns qui ont sorti à l'aéroport, qui sont sortis à l'étranger. Et Mounsayo, il y a plusieurs là donc mourir, dont Lionel Malbranche, côté que il a été assassiné le 4 décembre 2017. N'a pas noté que monsieur sont ressortis américains liés. Le 1er mars 2018, monsieur a été attaqué et tué, Woodley Darzulout. Ça a été fait le 1er mars, à Delma et 3. Bientôt, Madame Clausienne, petit frère, côté que il a été assassiné. Dame ça devant porte la Kaeli pendant que il sortit en voyage le 18 mars 2018. Alors, deux messieurs ça qui n'a pas dans télévision, n'a pas là sur écran nous. Monsieur Sao justement fait partie de Yun Ladon qui a arrêté par la DCPJ. N'a tout lancé tout en vidéo recherche toujours dans même quatre dossiers ça contre Charles James. Infraction reprochée, assassinat, vol à main armée. Association du malfaiteur. À vue de recherche, le CVJ a recherché activement Jean-Claude Capitaine. Infraction reprochée, assassinat, vol à main armée, association du malfaiteur. Toujours dans quatre dossiers, moun qui victime, moun qui saute la banque, surtout zone métropolitaine, parce qu'il implique là dans tout, et puis moun qui saute en voyage. N'a pas gardé justement et Valisa que nous voyons. C'est justement du monde qui est victime. Et gagné justement, lors de l'opération qui nous fait, et j'en nous dire le 23 mars, nous joignons deux pistolets de calibre 9 mm. Nommés deux Monsieur Zao que nous avons sous écran noir avec plusieurs cartouches. Gagné en total 15 personnes qui sont victimes de réseau Zao. Alors pour raison de sécurité,
nous pas citer non yo, mais liste là est vraiment longue. Et encore une fois, la demande des populations hein, pour aider nous justement joindre deux moun sa yo que nous lancer à vidéo recherche d'eux qui impliquaient justement dans les cas de braquage et y a plusieurs moun qui victimes d'eux. Sénateur Nipla Frosner Denius remet hier mercredi 28 mars un chèque qui est valé à 1 million de gourdes par le magistrat principal commune Thierry-Rivière Nipla, Céreste Kader, qui est vice-président association magistrat département Sila. D'après sénateur Denius, ses contributions par la population Nipla pour période fête Pâques là, un extrait de micro Kolo Eliezer et Moïse Ulbrich. Tout 11 magistrats il y a pour recevoir une partie dans chèque ça. Mais en dans département, toute commune n'a pas gagné même fait rara, pas gagné même ampleur. C'est ça que fait, selon ampleur activité rara, eh bien, il y a capable de faire une distribution et à chaque magistrat. Mais tout magistrat dans toute commune a pour recevoir une participation et certaines sections a pour recevoir tout une participation. Ça, et 1 million de gouttes, c'est pas rien, mais symboliquement, nous faisons pour nous montrer et pour nous dire eh bien l'état que c'est merveilleux mais avec magistrat Céreste là li saute passer l'intérieur li passer la culture avec magistrat la Vallée eh bien jusqu'à présent même yon goud yo pa ko joindre pour activité ça alors que gen de l'autre autorité dont moi-même qui recevoir déjà moyen pour faire ça devant et publiquement remettre magistrat chèque de 1 million de goud ça que libéral capable de distribuer et participer avec l'autre magistrat pour activité rara. Magistrat Thierry-Rivière Nipla Céreste Kader qui recevra chèque là remercie Frosner Denius pour geste si là li profiter mande l'autre lio mettez tête ensemble en monnaie pour capable travailler pour développement commune. Un extrait tant que je dans micro Kolo Eliezer et Moïse Bridge. Le plus souvent c'est pas le fait que gros crobe mais c'est façon qu'on la baille là et avec qui sentiment que on la baille là. Parce que nous c'est 11 communes. 11 communes, magistrat va le sentir un petit gens connaît que sénateur pense avec. Il pas pas faire grand chose mais ou va chiter avec toute collectivité là. Kazek tout le monde va regarder 1 million de gourdes qui ça n'a pas faire ensemble. Comme lui doit faire son nom yon moun. Et c'est ça qui fait que m'accepter que le fait son nom. Mais li pral distribuer avec toute collectivité a pour que samedi pour que chaque monde qui part qui revient à l'IA li mette ses on bonne rara li mette ses on galon clairé on gabaye à rara ça moi crois que c'est un geste que qui très apprécié. La déformation dans le journal là, sous initiative et plusieurs associations journalistes yon marche réalisé mercredi 28 mars là dans Port-au-Prince pour demander bonne enquête sur disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Maïssa qui était commencé devant place Constitution était fini devant parquet Port-au-Prince. C'était occasion pour journalistes yon mandé société accompagner yo pour permettre aux jeunes bonne information sur disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Johnny Arbika c'est Yusa quand Robert Chérité sous place, il y a dit non plus dans un compte rendu. Si nous pas paraître, c'est nous tout cap disparaître. Nous demandons la justice pour verger le dossier ça. Vladimir Kotoye, c'est quelques paroles où tu es capable d'identifier sous pas quatre journalistes en signe de protestation sous dossier disparition confrère Vladimir Le Gagneur. Vladimir Le Gagneur quitte la Cali depuis 14 mars 2018 pour aller faire un reportage dans zone Grand Ravine. Depuis date ça, il peut que j'aime faire signe de vie, selon madame journaliste. Là. Journaliste, yo, mandé responsable justice avec la police nationale d'Haïti, mené enquête pour joindre trace journaliste. Là. Disparition Vladimir, là, la genou nan Amboulacha. Nous besoin lumière. Nous devons connaître la vérité sur ce qui passe, collègues, nous en Grand Ravine 15 mars passé. DCPJ, fais-nous honte fois ça. DCPJ, fais-nous honte fois ça. Jean Saté prévoit. Après match là, madame Vladimir Le Gagneur déposé plainte dans paquet Port-au-Prince. Jeune dame là souhaitait autorité concernée tendez voir famille journaliste là. Autorité obligé font bagaille pour que yo éclaircit disparition Marie parce que pas capable encore obligé tout bagaille. Vladimir Le Gagneur, c'est un journaliste photographe qui a passé 5 années dans métier.
Il travaille dans les médias en ligne Loops News, IT News 2000 et Journal du Matin. Votre parole après PNH, l'a fait connaître une direction centrale police judiciaire déjà saisi plainte madame photojournaliste Vladimir Le Gagnard déposé dans le DCPJ. Gary Desrosiers dit déjà l'ouvrir enquête pour capable arriver faire lumière sous disparition journaliste. On a invité suivi en bout d'intervention de micro Anne Marguerite Auguste. On a dit au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, effectivement, nous saisi de plainte madame non. Et automatiquement que nous saisissons des plaintes, l'enquête a été ouverte. Et nous avons plus d'informations que nous disposons, que nous gardons nous justement pour que nous popularisions pour le moment, parce qu'il est capable de nuire à l'enquête. Là. Et nous avons dit que nous avons une belle avance que nous avons fait actuellement là, pendant que nous n'avons pas la voie. Et actuellement, les policiers nous sont sous le terrain pour nous capables de faire lumière de Kassa, côté que jusqu'à présent, famine, confrères dans presse pour qu'on jamais capable gagner nouvelle de journalistes de jeunes journalistes côté que pratiquement société hein. Et avec la presse en synergie justement pour y demander justement pour que journalistes tournent la caille et pour tout pour capable boire li et DCBJ encore une fois enquête la pas se poursuit les pas dans tiroir et enquête yo pas jamais se poursuit ici. L'aime-dire qu'elle se poursuit, c'est justement jargon que, qui est censé que la presse toujours utiliser. L'enquête a se poursuit par un meilleur résultat. Mais grand pile effort qui fait dans ce sens-là. Et nous, bah encore garanti que nous avons fait lumière sur Kassa, spécialement, côté que nous avons considération spéciale. Et tout notre cas, justement, que DCBJ traite, toujours bien des considérations spéciales. Mais son cas, justement, qui m'a dit, justement, pile intelligence, en pile technique pour que nous soyons capables d'arriver, justement, faire lumière sur ça et pour société hein, et dans le jour qui vient, ou du moins pour mon portant, la presse a pour courant de enquête là et la pour courant justement de ça que nous joignons en termes de résultats. Mais nous avons plusieurs informations, mais nous pas capables justement de diffuser au rendu public pour le moment. Première dame République Lamartine Moïse avec dans tête collée avec Fondation Clairé Haïti lancé mercredi 28 mars là un concours pour artistes différentes catégories en Haïti. Activité ça doit clôturer dans mois juin cap prochain là et ça y aurait lu ça que Grégory Misna a présenté un reportage à nous suivre. Ces artistes dans 10 départements pays a cap participer dans concours ça. Concours a visé encourager artistes différentes catégories et puis ba yo visibilité sous plan national et international. Papier mâché, céramique, fait découpé, peinture et travail wash, c'est ensemble catégorie. Jury a bien pour évaluer et puis sortir avec 5 gagnants d'après organisateur. Dans 5 disciplines, il y a 3 finalistes qui font 15 personnes plus 5 gagnants. Mais 5 gagnants, madame Naliban, mandat est avec l'organisation Les Arts Libres pour me responsable. Moi, c'est commissaire et concours là. Nous avons toute responsabilité concours là et gagnant, c'est moi pour chercher formateur et pour accompagner à l'étranger. Ce n'est pas juste à l'étranger. Le problème qui gagne, c'est que ce n'est pas que nous n'avons pas de talent, mais le plus souvent, les Haïtiens, là, non concours à l'étranger, ils ont pris, là, ils rentrent, ils ne pas garder contact. Même ils rentrent, ils ne même connaître l'Italie. Et c'est ça que les Alibes missionnent, c'est pour le faire, j'ai envie d'éclairer, pour éclairer la canoë, pour éclairer et. Première dame République là, Martine Moïse, quoi de massa fait pour valoriser talent artiste haïtien yo. Travail pour porter changement dans la vie artiste yo, c'est une parmi divers autres soucis, première dame non, selon déclaration. Plus gros problème artisan nous gagne, artiste nous gagne, le gros problème de finition. Par exemple, soit ton table dans mon artiste, ou quand c'est il arrive la caille ou gros pied qui pique coûte passer l'autre là. Donc artiste yo faut qu'il travaille pour qu'il standardise travail yo. Pour que ça n'a fait nous pas faire seulement pour Haïti, nous faire pour nous voyer à l'étranger et que devise qu'à entrer dans pays. Donc formulaire yo n'a joint yo parce que c'est tout artiste à travers pays qui est invité. Formulaire yo n'a joint yo dans délégation yo et dans direction départementale, ministère et éducation. Parce que nous dit que n'a bon main pour la vie meilleure, mais qu'il faut nous commencer à mettre des outils. Non mais artisan, outil non mais artisan yo, la vie meilleure pour qu'a commencer joindre. Haïti éclairé jodi, la vie meilleure demain, c'est thème qui choisi pour déroulement concours ça. Gagnant yo a joindre récompense tant que l'argent
et puis formation pour rendre plus performant. Directeur d'épidémiologie laboratoire recherche, Dr Patrick Deli, montre importance surveillance épidémiologique gain dans secteur médical là. Dr Deli remercie responsable qui bail matériel ça et dit qu'il sera utile pour bail réponse directe à quelques maladies épidémiques, ça capable ça qui est capable contribuer en même temps dans amélioration système santé pays. Yon extrait dans microphone Delphin et Camille Joseph. Surveillance épidémiologique là, c'est un bagage qui est fondamental. Je dis nous, c'est l'information pour l'action. Quel que soit le problème qui gagne, quel que soit une nouvelle pathologie que vous détectez, il est important qu'on ait un monde souterrain qui identifie les pathologies et puis pour qui dit mais qui s'allie. Et puis pour voir si il y a l'autre monde qui est affecté et puis pour prendre des mesures pour empêcher que l'autre monde ait un problème. Non. Mais et surveillance ça li pa ka marcher pour compte li l'on pa gen un laboratoire qui bien équipé k'ap supporter l. C'est ça que fait pour nous aujourd'hui, ça qui passe là c'est un bagage qui fondamental parce que ça permet les nous détecter un cas que nous généralement dans langage épidémiologie nous les cas suspects de une maladie nous à partir de symptômes cliniques que moun n'a capable présenter. Maintenant nous gen un système qui a permet nous prenons spécimen KIKA suspect ça et puis nous acheminer vers le laboratoire et puis pour diagnostic la fait dans le plus bref délai. Ça permet ministère santé publique ka bay une réponse à toute pathologie nouvelle ou bien en épidémie plus rapide et là c'est améliorer si vous voulez système santé. Toujours dans le même dossier, si l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Jeanne Sisson, dit réseau sacral servi pour capable aider dans la recherche et le traitement dans le domaine de la santé, il y a un moyen en plus pour la population et l'autre qualité de service. Nous avons vite suivi un bout d'intervention de l'ambassadeur accrédité en Haïti. Cette partenariat, cette collaboration est très étroit ici, au laboratoire. Vous voyez l'équipe. Avec ces nouveaux motos, avec ce système du transport rapide des échantillons au labo, va aider beaucoup dans le traitement et avec la recherche, pas uniquement à propos des maladies prioritaires comme le VIH-Sida, mais aussi avec le tuberculose et le choléra, et d'autres maladies prioritaires. Alors, je voudrais souligner que ce partenariat entre les États-Unis par voie de notre Center for Disease Control, notre PEPFAR, notre agence pour l'assistance bilatérale, l'USAID, contribue, j'espère, dans une manière très fructueuse avec le MSPP et le laboratoire d'Haïti. Archidiocèse Port-au-Prince a préparé pour capable organiser chemin de croix vendredi saint pour Port-au-Prince Delma ak nan commune Carrefour qui réparoise cathédrale Port-au-Prince révérend père Guy Crispin expliqué déroulement événement et spirituel s'il a démarré à 6h30 dans matin il a sorti sur place canapé vert pour bout sur place Toussaint l'ouverture sous champ de mars pour Delma procession a commencé dans l'église Saint-Martin Delma 5 pour bout dans l'église Notre-Dame d'Altagrâce qui trouvait dans Delma 44. Et pour commune Carrefour, procession a démarré dans la marine haïtienne pour bout dans le centre et sportif Carrefour. Chemin de croix a déroulé à Néa en baptême avec Marie en rentrée dans le combat de Christ pour être capable de porter la victoire. Je vous invite à suivre un extrait dans le micro d'Aline Dorivalac, Henri Robert Chéri. Anessa a gagné, comme l'an dernier, a gagné trois grands mouvements comme ça. A gen yon mouvement et sous Delma, donc a gen gros procession tout kap sorti dans l'église Saint-Martin et puis kap monté à Altagrâce. Ça c'est pour zone Delma et pour zone Carrefour y a sorti dans marine haïtienne et pour y aller jouer et dans centre sportif. Donc nous-mêmes et n'a sorti dans place canapé vert et pour aller sur place Toussaint. Alors normalement
parcours là, donc n'a pas canapé vert, n'a pas école république des États-Unis et n'a pas angle et Alex Roy et Bois Batante, n'a pas le bon téléco et Pont Morin et n'a pas pompe gaz qui entre la rue et Alex Roy. Et alors c'est les 14 stations, c'est comme ça la bagarre, mais chemin c'est canapé vert descend net et puis pour nous prendre Alex Roy aller juste sous la rue descend net bon puis il y a une maquette et puis pour aller et sur Sean Mars. Alors et comme on a parlé avec mon confrère et quartier général, nous avons fait 13e station là pour nous avoir demandé permission parce que l'état dans le pays a la place là qu'on est là, donc on a demandé permission dans la zone. Allez, ça thème nous prend et pour chemin de la croix avec Marie en rentrer dans le combat Christ là pour porter la victoire même Jean avec lui. Toujours même dans ceci là, Père Kiré paroisse Notre-Dame Immaculée Conception, Père Franzi Petit Homme, mandé mairie dans la zone métropolitaine, nettoyer la ria en façon capable de permettre le chemin de dérouler sans trop de difficultés. Père Franzi Petit Homme, tu es toujours dans le micro d'Alimé de Rivalac, Henri Robert Chérien, nous suivons. Nous t'arrivons jour vendredi saint pour là où votre prince est propre. Il y a Fatra, tout côté malheureusement. Nous connaissons que la mairie fait un bel effort avec SMCLS pour être capable de retirer Fatra par au prince. Mais nous avons même un petit effort qui fait en plus. Pour que le jour de vendredi saint soit différent parcours, que ce soit de Saint-Martin dans Delmas 5 pour arriver à Altagrasse, que ce soit devant Marina Haïtienne pour arriver dans le centre sportif, que ce soit place Canapé Vert pour arriver sur le Mas en passant par la nuit. Nous avons souhaité pour Mérillo faire un petit effort pour nettoyer Port-au-Prince jour de Saint. Et pourquoi pas pendant le week-end ou pas là. Il y a des gens qui pensent que le fait qu'il a nous intéressé l'État, c'est la Noël, parce que c'est la Noël qui gagne non seulement et des décorations de Noël, il fait effort de propreté, mais le fait Pâques là est aussi important que le fait Noël là. Donc nous avons souhaité que la ville là est propre. Nous avons souhaité également que comportement Mounio l'y améliorer. Parce que autrefois, lorsque tu gagnais de grands rassemblements sous forme de procession, non seulement chaque monde te fait effort pour propter de la caille. Hein? Deuxièmement, tu as senti un sentiment de respect qui gagnait dans la rue lorsque Moun a la prière. Donc nous avons aimé pour que l'effort soit fait, pour que le monde ne pas rentrer avec motocyclette pendant que parcours la fête. Pour ne pas essayer de klaxonner, essayer de passer à la machine pendant que Mounio a venu pour la prière. C'est peut-être ça, présence de la police fondamentale pour nous, pour capable de sécuriser le parcours. Que ce soit le parcours qui est sous Carrefour, sous Delma et sous centre-ville. C'est avec la dernière information ça que je n'en ai pas commenté, mais juste avant d'aller, nous allons parler ensemble pour quitter les faits essentiels. Le président de la République, Jovenel Moïse, installé mercredi 28 mars 2018 la communauté pilotage avec le secrétariat technique pour organiser l'état général sectoriel national. Le comité a gagné 6 mois pour capable remettre le travail. 54 arrestations, 8 machines saisies avec 3 motos confisquées, 10 armes saisies avec 20 kg marijuana. C'est bilan opération la police nationale d'Haïti réalisé sorti 15 pour arriver journée jeudi à selon porte-parole en après PNH Larry Desrosiers. Journalistes ont marché en silence dans la report au prince mercredi 28 là pour capable demander lumière sur disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Une marche qui était commencé sous place Constitution qui t'a bouté devant paquet Port-au-Prince. Première dame République Martine Moïse dans tête collée avec Fondation Claire Haïti lancé hier mercredi 28 là un concours pour artistes différents catégories en Haïti. C'est ensemble pour savoir qu'un pilote qui était fait essentiel le journal là pour jeudi, jeudi 29 mars 2018 là. N'a pas souhaité tout pour une passion excellente journée de jeudi, mais surtout très bonne semaine sainte, puisque pratiquement nous, jeudi à jeudi, c'est. N'a pas souhaité un bon week-end Pascal, n'a pas croisé dans la prochaine sortie téléjournal là.